soleil est sorti. On tente une approche là sur des animaux. Ils sont juste de l'autre côté de l'arête. Je pense que c'est le même groupe qu'hier soir. That was extreme. Extreme, yeah. Extreme. It's you take it for granted when you watch your videos. And you think it's easier than what it is. That is wow. I was scared. Didn't mind admitting that. Maybe tomorrow. I'm not going back that way. No. No chance. Call me an Uber. Yeah. It's too little. Not possible with backpack. And a rifle. That is a limit. I would never want to do anything half as bad as what I've just done again. That's probably... Yeah, that was at my limit. It's a pretty big challenge for me too. Normally, hunting, it's easy place. And here, it's a serious place. Just in the top now, behind the stone. It's a good view. Good shot. Perfect, wasn't it? Yes, perfect. Great shot. Brilliant, thank you. On a fait une sacrée chasse, hein, je vais te dire. It's incredible place, very steep. That's a good caliber. It's, yeah. It did the job, didn't it? You just see the bullet just penetrate, the blood was pouring out, and it just, within seconds, it was dead. Very impressed. Thank you.
Wow. Awesome. First year, am I? Thank you, Anthony. That's brilliant. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 ans, 10 ans et demi. Il va sur sa 11e année. Vraiment un super chat. Écoute, c'était exactement ce que je voulais faire, vivre comme expérience à Adam. Il s'est vraiment surpassé aujourd'hui. On est passé dans des endroits de dingue. Il a toujours assuré jusqu'au moment du tir. Voilà, c'est super. Welcome in France. On a fait vraiment une chasse d'exception aujourd'hui et on a été récompensé par vraiment un trophée extraordinaire. And not, not regulation, conservation. Deux sangliers, c'est le plein après-midi, ils sont en train de manger dans les pâtures, dans les alpages. On va les laisser tranquilles parce que c'est pas la chasse d'aujourd'hui. Mais c'est quand même rare de faire des observations où tu as les sangliers en pleine journée comme ça. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là. 2h20 de l'après-midi, il fait gros cagnard, puis ils sont là tranquilles en train de manger. Oui, il faut quand même un peu s'accrocher, mais en le montant à son rythme, calmement, on y arrive. Donc je suis assez contente. On a un groupe de brebis là-haut sur le top de la montagne. On va se mettre en position là, à 50 mètres, sur le dôme. J'ai grand espoir que les béliers sont couchés derrière. Les mouflons sont au rendez-vous. Ça, c'est vraiment un super bon mouflon. Il y a une face, pas celui qui est à gauche, hein, celui qui est à droite. Tu le vois bien, c'est celui qui est face à nous. T'es sous ma peau. Si tu te sens bien, tu lui prends entre les deux épaules un peu à gauche. Sur la détente, que quand t'es dedans, quand je te dirai, tirez pas. Tu repositionnes ton dos comme il faut sur la détente. Pas de pression, relâche la pression. Recharge. Tu le vois, c'est celui qui est en haut. La chasse que tu viens de nous faire là, incroyable! Non! Énorme, hein! On a su garder! Quelle émotion, quoi! Parce que tout d'abord, j'ai cru que je l'avais raté, donc là, j'étais quand même un peu frustré. Ouais. Et il est tombé, fantastique! Merci mille fois, vraiment! Quel week-end extraordinaire! Plus belle émotion de ma vie, je crois! C'était. Ouais, depuis ce mouflon, on va aller le voir de près, mais. De loin, en tout cas, il est fantastique. Et là, encore tirer un vieil animal comme on vient de faire, ça reste quand même exceptionnel. Une grande chance. Merci, Anthony. Vas-y, tu la remets comme ça. Et je vais l'attacher, tout simplement. En fait, tu as un système ici qui s'attache. Et voilà, et ça fait que là... Elle est sortie pile. Et donc, tu as bien traversé l'animal, donc c'est pour ça qu'il a fait que quelques mètres. Et s'est arrêté. Ça, c'est bien tradition chez vous aussi, ça. Donner la dernière mangeur et les honneurs aux chasseurs. Bonne bonne side. Merci. Merci, Anthony. Quelle magnifique approche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il y a la demi ici qui est usée.
Ici, ils craignent rien pendant toute la saison. Printemps, les été, loups, automne. Pas jusqu'ici. Si, il y en a, mais ici, tu vois la défense qu'il a. Quand il est dans un milieu fermé, boisé, forestier, et en bas avec de la neige jusqu'en haut des épaules, il n'a aucune chance de s'en sortir. Ici, tu as vu, ils sont toujours sur l'œil. Et là encore, ceux-là d'animaux, on est les premiers chasseurs de la saison, donc ils n'ont pas entendu une balle, ils n'ont pas été dérangés une seule fois. On a encore de la chance de pouvoir chasser ce mouflon ici à des altitudes comme celle-là, 2400 mètres d'altitude. Où tu viens dormir en montagne, ça c'est les vraies expériences en fait de chasse en montagne qu'on peut vivre. Ah ben c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est pas un mouflon qui vit dans le fond d'un jardin. Ça n'a rien à voir. Comme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Tu pars le matin, tu as le bracelet avec ton tour de chasse, tu montes, il faut que tu tires un animal, le lendemain tu dois rendre le bracelet. Là ici sur un territoire comme ça privé, ben, t'as la possibilité de rester 1, 2, 3 jours en montagne, sélectionner l'animal vraiment que tu veux tirer et faire de la gestion. C'est la montagne, c'est l'effort, c'est l'approche, c'est ça qui fait la réussite, c'est pas une routine. Quasiment l'un des seuls territoires aujourd'hui en France où tu peux chasser le mouflon dans ces conditions. Et dans un cadre et dans un environnement comme celui-là. Sur un territoire comme celui-là où il n'y a pas d'eau, eh ben, ça permet de garder les mains propres. Tu vois, il y a deux pierres à l'intérieur qui te permettent, quand tu le mets et quand tu l'enlèves, de l'affûter ton couteau. C'est la pointe du cœur qui a été carrément coupée. Le tir était vraiment parfait. La position est bonne, il y a moins de 100 mètres. Mais c'est un bélier de 5 ans et demi, 6 ans. We got in position, we got there, we could have taken the shot, but you advised me that he wasn't old enough, and in like 2 to 3 years time, he'd make a better animal. So we've left him to grow older and get bigger. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Ok. Yes, well done, you got it. You get it. Perfect shot. Good luck. One of the main YouTube channels I watch is yours. Many years I've watched it and never thought I'd ever hunt with you. To come here and do it, I'm so grateful, so thank you so much for having me. We'll never forget this. Thank you very much. Hunted in France before, but not anything like what we're doing now today. Amazing. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et 7. Il fallait prélever parce qu'il avait une corne qui rentrait bien à l'intérieur, d'ailleurs on peut la voir là, qui rentrait bien à l'intérieur, donc il se l'est cassé, ça lui rentrait dans le cou, et puis il aurait
jamais fait grand chose de plus. Donc c'est un bon tir de sélection, voilà. That rock. Yeah. We get up there, another 100 metres. It's nice run. Didn't expect this. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.